Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Isaac Afterbirth. Oh yeah. Donc alors aujourd'hui, on va se faire un grid mode. Un grid mode, ben voilà, je suis déjà en grid. Alors, pas avec Isaac, mais avec Random en fait. On va prendre un perso au pif. On va espérer que ça tombe pas sur Keeper. Sur Lilith. Lilith encore. Non, vous savez quoi, franchement, on va prendre un autre perso que Lilith. Parce que Lilith en grid mode, c'est trop facile, quoi. Allez, un autre. Ça va retomber sur Lilith, je suis sûr. Oh putain, la vache. Ça tombe sur The Lost. Ça peut être intéressant. Alors, voyons voir. Déjà, on commence avec des pièces, c'est pas mal. Voilà l'acide, hein, si jamais. On a quand même The Lost. Alors, j'ai Olimental avec, évidemment. Vu que j'ai fini la machine grid, voilà, voilà. Il y a encore des merdes, mais oui, il y a des merdes. Alors, du coup, ne pas utiliser le D4, c'est très important, parce qu'on a Olimental et on le veut, on peut le garder. Le placenta, ça ne sert à rien. Je le laisse si jamais on peut le reroll, en fait. Et là, il y a la blanche carte, mais je sais pas trop... C'est pas terrible comme début, hein, dis donc. Bon. Bah écoutez, remarque, on peut aller dans la Curse Room grâce à Olimental. Et elle contient des pièces. Les pièces me permettent d'acheter la clé. Et la clé, c'est la vie. Et la clé, ça me donne ça. Bon. Mysterious Liquid. Bon, c'est pas mal. C'est pas terrible, mais bon. Ça passe. Bon, bah on va commencer. Avec des ennemis, tout ce qu'il y a de plus facile et tout et tout. Sachant que l'avantage quand même de The Lost, c'est qu'on peut arrêter les vagues quand on veut gratuitement. C'est-à-dire, si je suis dans la merde, bah j'appuie sur le bouton, hein, c'est tout. On va pas chercher plus loin. Bon, par contre, il a des stats un peu pourris, là, The Lost, hein, quand même. Je veux pas dire, mais voilà, quoi. Et Mysterious Liquid, c'est bien, mais c'est vraiment pas assez pour faire quelque chose. Donc pour l'instant, on va espérer trouver du stat up, quoi. Des trucs pour augmenter les stats. Déjà, les tirs et le damage, c'est surtout ça ce qui importe. Parce que, honnêtement, peut-être la vitesse aussi, éventuellement, mais bon, déjà, on vole et on a Olimental. Je veux dire, c'est pas un mauvais début, quand même, hein. Mais c'est The Lost, c'est le problème. Et surtout, on a un objet qui ne sert absolument à rien, donc... Enfin, je sais pas trop si ça reroll Olimental, dans le doute, mais on va pas le faire, hein, voilà. On va pas le faire, parce que Mysterious Liquid, honnêtement, ça passe, hein. Ça fait des dégâts, c'est bien, c'est honnête. Alors ça, par contre, ça fait chier. Encore plus d'araignées de merde. Ça va qu'on a des Spectral Tears quand même avec The Lost. Oh merde, je me suis fait toucher, ça va pas. Voilà, avec The Lost original, je serais mort. Comme une merde. Putain, et dire que j'ai fait le grid mode avec The Lost avant qu'il ait Olimental quand même, s'il vous plaît. Bon, j'étais un petit peu cheaté quand même, mais bon. J'ai aussi fait Hush avec The Lost, avec en fait j'ai tout fait avec The Lost, hein. C'est très très cool. Alors, toi, il reste plus que ça dans la salle. Bon, ça va alors. Par contre, si tu pouvais crever, voilà, merci, super. Alors, qu'est-ce qu'on s'achète? Il y avait quoi, je veux dire? Ah oui, il y avait la blanche carte et ça. Honnêtement, je suis pas sûr que ça va servir. On va reroll, en fait. Allez. Ouais. Ouais, la screw. Ouais, tears up. Et évidemment, maintenant, il y a du damage up. Putain de merde! Bon. Ah oui, d'accord. Je me disais, attends, il y a quoi dans la salle? Mais oui, c'est Pin! C'est notre cher ami Pin! C'est l'ami des enfants, c'est l'ami de tout le monde, Pin! Surtout quand il crève aussi vite, la vache! C'est vrai que contre les boss qui bougent pas, forcément, Mysterious Liquid, c'est génial! Oula vache, oula vache, oula vache! Les grosses mouches, ça par contre, c'est pas terrible contre les mouches, hein! Mais bon, on peut pas tout avoir. Déjà, on a eu du tears up, c'est pas mal. Et du shot speed up, moi j'aime bien. J'aime bien tirer plus vite. Que ça atteigne plus rapidement la cible! Allez, s'il te plaît, Duke of Flies, tu es le boss le plus moisi de tout le jeu! Voilà! Ça, c'est fait! Voilà, voilà, voilà! Alors, avec 10 pièces, je pense qu'on a rien de spécial. Bah non, hein. Y a pas de bombe non plus, j'en aurais bien pris une pour les exploser les deux là, mais bon, tant pis. Bon.
Alors, Gemini et Lust. Ça peut être chiant. Ça peut être beaucoup plus chiant que ça en a l'air. Sauf que, remarque, Gemini, des fois, il reste en place. Ok, Lust, moi, je bouge pas, y a pas de problème. Par contre, ça va faire chier parce qu'il y a le petit... Oh la vache, c'est esquive. Ok, Lust est mort, ça va mieux. Oh, Lust qui meurt, ça fait du bien parce que putain, c'était dangereux, quoi. Oh la vache, ça aussi, c'est dangereux. Oh. Tu vas te calmer, ouais. Bon, mais sans blague. Allez, meurs. Meurs, c'est le prix de truc de merde. C'est le prix de petit Gemini à la con, là. Pourquoi c'est lui le plus puissant? Je veux dire, ça devrait être le grand, en théorie. Mais non, c'est le petit. Putain de merde. Ok, je t'ai bloqué, tu es mort. Et moi, je gagne des deals, peut-être. Alors, des cœurs noirs, super. Et une bombe. Merde, merde, merde. Bon, bah, rien du tout, donc. Ok, on va descendre, alors. Ah, des pièces, peut-être? Non. Bon, bah, tant pis, on va descendre. On va descendre, et ça serait bien que j'ai du damage up, s'il vous plaît. Damage up ou dead cat, au choix. Dead cat, ouais, putain. Super bondage. Ça serait cool en temps normal, mais là, non, quoi. Bah ça, je peux pas y jouer, du coup. Je pense pas que ça marche avec Holy Mantle. Peut-être, hein. On va tenter, vous savez quoi. Ah non, ça me tue, en fait. D'accord, même avec Holy Mantle. Ah, je savais pas. Bon, bah écoutez, tant pis, de toute façon... Ah merde, j'ai fait restart. Non, 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 non. Le jeu a décidé que j'allais mourir, alors je meurs. Du coup, on va en refaire un avec un autre perso. Tant pis pour The Lost, écoutez, hein. Isaac. Bah écoutez, pourquoi pas, honnêtement, avec Isaac, ça peut être... ça peut le faire. Voilà donc la nouvelle seed. Voilà, voilà. C'est bon? C'est bon. Et avec quoi on commence avec Isaac? Avec PJ! Wow! Ah ouais! Bon, on va le prendre, écoutez, hein. 4 cœurs gris. Alors, j'aurais dû, évidemment, le prendre après, mais c'est pas grave. On va dire... là, il y a un coffre, il faut une clé. Donc, on va péter ces deux, là. Et comme ça, on a des pièces. C'est cool. On va quand même y aller à la Curse Room, écoutez, tant pis, hein. Ah, maintenant, on a des clés! Ah ben voilà qui change tout, du coup on va pouvoir aller là. Et on commence avec The Bean. Alors ça, vous savez quoi? Ça se reroll direct. Et on tombe sur Obsessed Fan. Alors c'est de la daube, hein, mais bon. C'est comme Papa Fly, mais encore pire en fait. C'est-à-dire, cette mouche me suit et fait des dégâts et c'est tout. Voilà. Je crois que Papa Fly peut aussi faire d'autres trucs. Je crois qu'il y a un truc en plus Papa Fly par rapport à ça, mais... Enfin, ça reste moisi du cul quand même, hein. Bon, sinon il y a pas grand chose. Bon, on va commencer alors. Hein. Enfin, on va recommencer. Oh la vache! J'ai failli me faire toucher par eux, putain! Bon, 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 voilà, ça se fait, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis du tout. Y'a pas de problème. C'est facile. Bordel de merde. Ça devait arriver, hein. Évidemment, je me suis vanté, forcément. Bon, et puis j'ai vu que la mouche avait tué un mob, donc elle sert pas à rien, mais bon, hein. C'est pas terrible, quand même, hein. Ouah, la vache. Enfin, remarque, elle fait peut-être des dégâts de ouf, hein, parce que c'est tellement difficile de la placer. Je pense que c'est ça, hein, en fait, hein. Et puis bon, c'est une mouche violette, écoutez, c'est de l'inédit, hein, on n'avait jamais vu ça encore, voilà. Allez, on y va. Il n'y a que des araignées dans la salle, putain. Enfin non, il y a une mouche, la mienne. Qui fait quand même des dégâts, mine de rien. Ça marche, hein. Donc en fait, ouais, c'est peut-être pas si mauvais, mais bon, c'est pas terrible quand même, hein, faut avouer. Hein. Au mieux, c'est moyen, quoi, tu vois. Ouah la vache. Après peut-être contre un ennemi super prévisible et qui reste longtemps à un endroit, genre Monstro, ça peut le faire, ouais. Contre un boss du genre Monstro, là je pense que ça peut être pas mal. Et encore, hein. Enfin un boss qui saute vers là où t'es, quoi. Là ouais. Bon, c'était quoi ça? En fait pourquoi je l'ai pris? J'aurais pu le reroll l'item, je suis trop con. Et là, il y avait PJ. Ok, bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que...
tiens, on va prendre le fanny pack parce que c'est pas mal, hein. C'est bien le fanny pack. Dès que je me fais toucher, je drop un truc, écoutez, hein. Moi je suis content, hein. Ah bah tiens, monstre. Voilà, reste en compagnie de la mouche. Sauf que, en fait, non. Mais en fait, si, elle revient, hein. Non, contre monstre, bah comme je l'ai dit, ça marche, hein. Bon, ça fait pas masse de dégâts, mais bon. C'est toujours un petit plus, écoutez, hein. Duke of Flies, on va mettre la mouche par là, peut-être, non, je sais pas. En fait, elle réagit 3 secondes après moi, donc je peux peut-être anticiper le mouvement, mais non, je suis même pas sûr que ça va être utile. On va se la faire à l'ancienne, celle-là, hein, c'est-à-dire on va le pourriner avec les tirs, et puis c'est tout, hein. On verra bien si la mouche fait des dégâts, mais de toute façon, on va pas se focaliser là-dessus non plus, hein. Bon bah écoutez, c'est un combat tout à fait classique contre The Duke of Flies qui est mort. Et voilà, donc ça c'est fait. J'ai 16 pièces, remarque, je peux peut-être t'acheter un truc. Genre Pandora's Box en fait, ouais. Ça peut être pas mal. Je croyais que ça donnait des bombes et des clés, mais en fait non. Bon bah tant pis. Ça fera toujours 2 cœurs gris. Ouais non, je me suis fait niquer sur ce coup là. C'est pas grave. Allez, Polycéphanus! Puis d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, je garde mon reroll pour le deal, en fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre à reroll, merde. Je pense que ça peut être pas mal de garder ça comme ça. Putain, merde! J'ai même pas vu où il était le boss, j'ai fait une erreur. Erreur du jugement. Mais en même temps, les trucs sont chiants autour, là. Oh, mais merde, lâchez-moi! Oh là là. Bon, ça me fait des bombes, hein, mais c'est quand même pas terrible, là, hein. Oh là là, non là j'ai joué comme une merde, hein, vraiment. Je suis pas fier de moi. Putain, mais il en reste un ? Il en reste deux ? Ah mais il peut les spawner, je crois. Mais ouais, c'est normal. Ok, crevez vous, vous êtes chiant, vous êtes putain de chiant. Oh là là, c'est le pire Polycéphanus de tous les temps, quoi. Il est où lui ? Il est là, putain non. Voilà, bon, ça c'est fait. Alors, on a mérité un deal, malgré tout. Et le deal... Ah bah tiens, pas mal, ça. Alors, pas mal, mais ça va être bizarre. Comment je joue, là? Bon, déjà, on va le buter, lui, parce qu'il commence à me gonfler. Crève, putain. Oh là là, mais non, tu t'épais pas. En plus, il esquive les tirs, ce gland. Oh la vache, mais putain, j'arrive pas à le tuer, quoi. Oh là là. Bon. Alors, je pense qu'on va quand même prendre... Ouais, je sais pas. J'ai bien envie de prendre ça, quand même, parce que c'est pas mal cheaté. Ça, c'est Empty Vessel. Déjà, en fait, ça donne 2 cœurs noirs, déjà, ce qui est pas mal, j'avais oublié. Et ensuite, en fait, ça te booste quand tu n'as absolument plus de cœur rouge. Ça fait des trucs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un reroll sur le pentagramme. Je sais, ça paraît dingue, mais... Ah, merde! Bon, on va quand même le prendre. Et je peux plus reroll, du coup. Ah, merde! Il faut que je me débarrasse de mon dernier cœur rouge. Parce que j'aimerais bien avoir les effets de Empty Vessel. On va le tenter comme ça, hein, franchement. C'est vrai que j'ai des bombes. On va en faire une là. On va ouvrir ça, ça contient une pièce. Une bombe et une clé pour une pièce. Génial. Bon. Ah ben on va se barrer. Et on va espérer avoir un deal qui puisse me permettre de vider ce putain de cœur rouge. Puis au moins j'ai une clé là, comme ça. Bon. Moi je dis pourquoi pas. Alors, caves. Voyons voir. HP up, on verra après. Ça, je prends, par contre, ouais. Odd Mushroom, c'est bien. Très, très bien. Qu'y a-t-il dans notre shop? Il y a un cœur gris à 3 pièces. Honnêtement, il faut le prendre. Puis on va les buter, ces deux-là, là, comme d'hab. 5 petites pièces supplémentaires. Il n'y a pas des trucs bien terribles, hein, quand même. Bon. Bah, on va commencer les vagues. Alors, sachant qu'il y a Crack Jax là-bas, je sais pas trop ce que je vais en faire encore.
Ça va... Ah merde, ça va dépendre du deal en fait, hein. Ouais, je pense... On va pousser jusqu'au deal. Sans le prendre. Après donc, après avoir vu ce qu'il y a dans la Devil Room, on avisera. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que le trinket, ça peut vraiment être bon, hein. Mais en fait, je crois que... Non, il aurait fallu que je le prenne d'abord. Parce que s'il y a des deals, je peux toujours prendre les deux, s'il y en a deux, quoi. Je veux dire, il y en aura forcément deux. Je sais pas trop quoi faire, honnêtement, je suis un peu paumé, là. Sachant qu'en plus, j'ai déjà pris un deal, donc je pense que pour les Angel Room, du coup, il n'y en aura pas. Oh la vache. Allez, crève. Oh la vache. Putain, ça passe super juste. Sa mère, mais il y a trop d'ennemis chiants, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, crève. Crève, la vache. Crève encore. Toi, meurs. Toi, meurs. Non, mais mourrez, allez. En fait, c'est lui qui fait chier, voilà. Voilà, maintenant qu'il est mort, c'est bon. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Ah, c'est la dernière vague en plus, d'accord. Voilà, presque, voilà. Ok. Alors, on y est, j'ai des pièces. Qu'est-ce qu'il y avait là déjà? Il y avait un reroll, moi je dis, hein. Ah, on a... ah, mais non, 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 le reroll, faut que je le garde pour le deal. Donc, on va prendre Crackjax. Ça me donne ça. Ce qui est complètement nul. La store key, je veux dire. C'est un trinket qu'on débloque avec Keeper, d'ailleurs. Ça fait en sorte que le shop est ouvert. Mais en green mode, il est toujours ouvert, le shop. Donc on va reroll. J'ai envie de tenter ça. C'est la Rules Card, attention. Et... Exactement. Bon, on va quand même prendre ça, hein, faut pas déconner. Speed up, damage up. Et puis on va se faire la vague du deal, du boss, et suspense, c'est Ragman. Bordel de merde. Oh la vache. Nanananananana, Ragman. Remarque, en plus il y a des chauves-souris dans le jeu, ils auraient pu faire un boss chauve-souris. Ah, ce serait marrant ça, tiens. Enfin, peut-être pas marrant à affronter, mais bon, marrant à voir, quoi. Ok, donc Ragman, il est mort. Et on tombe sur Pip. Allez, Pip, vas-y, saute où je suis. Ouh, reste là et meurt, hein, y a pas de problème. Allez, saute où je suis, allez. Voilà, prends-toi rien du tout parce que cette mouche est trop conne. En fait, cette mouche de merde, elle est nulle à chier, quoi. Hein. Bon, après, il en faut des items de merde, mais quand même, là. L'item, il fait rien, quoi. Mais pourquoi il y en a deux comme ça? Je comprends vraiment pas, quoi. Dire Papa Fly, c'est la même chose, quoi. C'est tout aussi merdé. Bon, enfin, les boss, c'est fait. J'ai 14 pièces, à mon grand regret. Là, il n'y a plus rien, de toute façon. Non, là, j'ai tout pris, et là, il y a 14 pièces. De toute façon, j'allais rien acheter, là. Donc, bah, on va se faire la vague du deal. C'est Larry plus Chubb, donc ça va, hein. Très facile. Aucun problème. Il y a même la mouche qui a réussi à tuer quelque chose. Fantastique. Putain, je crois que Larry est mort d'un coup, là. Bah, c'est cool, c'est cool. Très, très bien. Ah, merde, 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 merde. Putain, Larry a failli me faire prendre des dégâts après même sa mort. Même pas par lui, en plus. Chier, quoi. Allez, Chubb, t'es mort. Allez, des deals. Et des bons, hein. Oh. Des deals qui donnent des cœurs gris, putain. Alors, il n'y en a qu'un. Ça, ça fait chier. Et puis, je vais pas le prendre, en plus. Oh! Bon, ça, il faut que je le prenne parce que je sais pas ce que c'est. C'est un truc... Enfin, si, je l'ai débloqué avec Judas en battant Hush. Je savais même pas que c'était un deal. Enfin, remarque, oui, si, vu la gueule du truc. C'est Betrayal. Turn your enemy. D'accord. Bon, je suppose donc que ça fait quelque chose avec les ennemis. Je ne sais pas quoi. Il n'y a pas un cœur gris, hein. Ah non, il n'y a pas un cœur gris. On va tenter la carte, peut-être. The Empress. Bah écoute, pourquoi pas. Betrayal. Ça veut dire la traîtrise, quoi. L'acte de trahison. Ouais, trahison, plutôt.
J'aurais pu avoir 15 avec celle-là de pièces, bon, c'est pas grave. Il n'y avait rien de bien à acheter, de toute façon. On va continuer dans Depths. Alors, j'ai pas de clé, donc on va quand même aller voir ce qu'il y a là-dedans. HP up. Je commence à regretter le petit vaisselle. Bon, on va le prendre quand même, histoire de survivre, en fait. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a une carte. Hein, peut-être que je vais pas le regretter, d'accord, ok. Alors apparemment, ça fait quelque chose quand je me fais toucher, et ça le fait à chaque fois. Intéressant. Toi, tu me donnes... Perks. Alors Perks, je crois que c'est dans la salle. Donc dommage. Alors sinon, à part ça, il y a BFF, il y a ça, c'est pas terrible, terrible quand même. Je pense qu'on va reroll en fait, hein. Ouais, c'est la salle. Ah, remarque, non, je vais acheter une clé en fait. Je vais acheter la clé pour aller là-dedans. Et là-dedans, il y a Loki's Horns, c'est nul. C'est nul, donc on va attendre que le D6 soit chargé hein, sur ce coup-là. Et on va se faire la deal, enfin, non, pas le deal, la vague. On va se faire l'étage en fait, quoi. Y a quoi là? Y a des araignées, d'accord. La vache. Alors j'aimerais éviter de me faire toucher quand même, mais en même temps, j'aimerais bien savoir ce que ça fait Bitrial. Eh ben voilà. Ah ok, d'accord. Ça fait en sorte. Ça fait phéromone en fait. Dès que je me fais toucher. Ah ok. Intéressant. Ouh la vache. Intéressant. Je m'attendais pas à un item de ce genre là, de Judas quoi, mais. D'un côté, c'est cohérent. Ah merde. Ah par contre, je voulais pas là. Non, non, c'est cohérent, je vois tout à fait l'utilité de l'item, qui est vraiment bon, hein, d'ailleurs. C'est même carrément cool, il y a une carte, là. D'ailleurs, j'ai dit Empress, moi, maintenant que j'y pense, là. J'ai The High Priestess aussi. Putain, merde, je l'avais même pas vu, l'araignée. Putain, merde, ne pas crever. Il en reste une, il en reste une. Putain, merde, il en reste. J'ai du mal à les voir quand c'est comme ça. D'accord. C'est fini, la vague. Ok. Alors, il y a Dry Baby, on va le prendre, hein, du coup. On va reroll Loki's Horn parce que c'est de la daube. Ça devient Smartfly, pourquoi pas. Il faut des trucs pour survivre là, s'il vous plaît, les mecs. Genre des pièces. Oh, bien. On va acheter le cœur quand même, hein, parce que là, je le sens moyen. Du coup, on va tenter la carte. Two of Spades. Deux clés, donc. Ok. Regardez ça. Ah merde, ouais, j'ai plus d'Empress du coup, fuck. Bon, c'est pas grave, on va reroll. On va voir ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Il y a Squeezie, parfait. Ah ouais, Squeezie, c'est vraiment l'item qu'il me fallait, quoi. Ok, bon, bah on va se faire la suite. C'est The Stain. Putain de merde, en plus il est pas tout seul, c'est ça le problème. Remarque, là il est sous terre, le boss. Donc ça c'est chiant, parce que je sais pas, bah voilà. Maintenant je sais où il est, c'est bon. Bon, ça c'est Dry Baby, ça va, c'est bon. C'est vraiment cool, hein, Bitrial comme item. En plus, ça reste un bon moment. Puis bon, il y a la mouche. Ah, remarque, je sais pas. Ah non, si elle y retourne, c'est parfait. Allez, vas-y, hein. Maintenant, attaque Loki, la mouche. C'est l'avantage d'avoir cette mouche intelligente. La mouche pas trop conne, quoi. Qui attaque en continu l'ennemi que je veux, c'est cool. Ah merde, par contre, foncer dedans, c'est peut-être pas la bonne solution. Surtout quand il est tout seul, je veux dire, il m'attaque quand même, hein. Bon, j'ai 15 pièces pile. Je peux peut-être m'acheter un truc. Honnêtement, je crois que je vais attendre, en fait. Hein. Je vais attendre. Non, puis en fait, lui, je vais le tuer, quoi. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. J'avais pris ce qu'il y avait là-dedans, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va se faire la vague du deal. C'est The Bloat. C'est juste The Bloat? Ça paraît bizarre cette histoire. Pourquoi il y aurait juste The Bloat? Non, parce que moi, je veux dire, s'il y a juste The Bloat, voilà quoi. Ah, il est pas seul. Ah ouais, d'accord, je me disais aussi. Ah ouais, ça aurait pu le tuer The Bloat, ça, dommage. Bon, alors. Oh putain, mais c'est Krampus maintenant. J'ai vraiment pas de chance, hein. Juste quand j'ai Empty Vessel, forcément, je peux pas me vider mes cœurs rouges, quoi. Oh merde. Alors foncer dedans, c'est pas terrible. Putain, merde, sors de là, quoi.
Bon, merci la mouche, mais c'était pas terrible quand même, hein. On va prendre le lump of coal. Comment dire? Nous sommes tout de même un petit peu dans une merde monumentale. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. On garde espoir. On va s'amuser dans Utero, ça va être fun. Et on va sûrement mourir, mais c'est pas grave. Allez hop, Utero donc. Enfin, The Womb. Bloodclot, génial. Damage up. Et rune bag, ah ça peut être bien. Donc le rune bag donne des runes, hein, c'est normal. Ça c'est bien. Alors il y a un HP up et Jar of Flies. Ça par contre c'est pas terrible. On va peut-être tenter un reroll direct en fait. Ah ouais. Ouais, Mr. Dolly, ouais. Range up plus tout ça, c'est quand même pas mal. Et puis on va commencer. Bon, cette vague-là, ça va. Oh, d'accord. Ça, c'est très bien, Dry Baby, c'est bien. Pertro, ah ça, c'est cool. C'est vrai que le rune bag, ça va être déterminant, hein, dans le green mode. Ça va être très cool. Putain, Dry Baby. Ah ouais, en green mode, c'est une bête sauvage, ce truc. Surpuissant. Trop génial, je suis trop content de l'avoir eu au pif en plus. Allez, crève, crevez tous, allez tous mourir en enfer des ténèbres et dans la chatte de ta mère. C'est là qu'on est, hein, tout le monde. Les runes, je verrai après, même si c'est des trucs intéressants. Parce que je suis un petit peu occupé là quand même, hein. Allez, une grosse merde, c'est la dernière vague. On est bon, tout est bon dans le cochon. Excusez-moi. Allez, on va encore buter une grosse merde. Allez. Ah merde. Bon bah Bitrial, du coup, hein, tuez-vous entre vous, y'a pas de souci. Voilà. Alors, du coup, c'est quoi cette rune? C'est Ewaz. On va faire ça dans cette salle. Alors, c'est une trappe tout court, donc c'est pas terrible. Ça c'est Pertro, c'est vraiment pas mal. Parce que honnêtement, la Champion Belt, ça me tente pas. Et tant qu'à faire, si on peut garder la solde qu'il y a dessus. Deep Pockets. Ça va pas être terrible en green mode. Par contre, Oliver, ouais. Écoutez, HP up, hein, je vais dire tant pis pour MTVSL, mais... J'ai pas de quoi le faire, là. Voilà, c'est tout. Hein. Allez, donne-moi des trucs, toi. Du genre ça... Pretty Fly, bien, ça valait le coup. Ah, génial, j'ai regagné mon cœur. Oh, Saint-Oil. Bon, ça. Ok, j'ai une bombe. Donc, vous mourrez, voilà. Oh, merde, oh, la vache. Ok. Le boss. Merde. Putain. Bon, les Gurglings, voilà, attaquez-vous entre vous. D'accord, ok, ça c'est fait. Non, mais Bitreal, franchement, c'est sympa, hein. C'est un super truc, hein. Alors, The Cage, on va prioriser The Cage, parce que c'est de loin le plus chiant. De toute façon, Super Wrath, il risque de se tuer tout seul, hein, plus qu'autre chose. Enfin, ou de mourir, d'ailleurs, parce que c'est fait, voilà, hein. Allez, crève, toi. Toi, meurs, s'il te plaît, The Cage, t'es chiant. Voilà, ça, c'est fait. C'était juste la vague du boss. J'ai pris ce qu'il y avait là, hein. Ouais, hein. Ouais, j'ai tout pris là. Ok, du coup j'ai rien à reroll. Parce que là j'ai rien à acheter spécialement. On va faire ça quand même. Ah merde. Oh la vache. Putain tout ça. On va tenter la carte quand même. Alors attendez, on va sortir, re-rentrer. Acheter la carte, Two of Clubs, ça donne deux bombes. C'est nul. Et la vague du deal, c'est deux fois War. Putain. Je commence à trop parler, j'ai la gorge qui morfle à mort. Ça fait beaucoup de bombes tout ça, dis donc. Hein. Si vous pouviez juste arrêter de faire chier, ça serait gentil. Ou alors tuez-vous entre vous aussi avec vos bombes à la con, là.
bien mourir tout simplement aussi, c'est une option. Putain, prenez-vous mes tirs au moins, quoi. À toi, là. Ah, je peux pas prendre les bombes comme tout le monde, la vache. Allez, crève, 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 voilà. Quand il en reste qu'un, c'est mieux, tout à coup, c'est sûr. Et en plus, c'est War, je veux dire, War, il est bidon, hein. Y'a rien à craindre, quoi. Alors, Gupizel. Eh, dis donc, pas mal, ça. Ah, ça, c'est pas terrible. Et ça, non plus. Bon, on va prendre Gupizel, hein, quand même. Et on va l'utiliser, d'ailleurs. Et on va le reroll. Et ça devient un cube of meat. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Et c'est moisi, voilà. Tout simplement. Bon, ben, du coup, on se casse, hein. Direction Sheol. Ah, pas encore. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Alors, Sheol. Sheol, Sheol, Sheol. La 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 la. Curse of the Unknown, rien à foutre. Road Rage, oui. Yes, en plus j'ai spun, oh la vache. Alors, spun, c'est cheaté parce que c'est un énorme damage up en fait. Donc, génial. Là. Et Luck Up en plus. Suivi de Pupula Duplex. Et honnêtement, bah, vu que c'est marrant, je vais le prendre. Ça fait Spectral Tears, plus je tire comme ça maintenant. Donc voilà. On va aller voir ce qu'il y a au shop quand même. Il y a Minimush. Oh, bien. Il y a Minimush à moitié prix. Et puis, ben, on va les buter ceux-là. Ouh, ça c'est bien. Alors, du coup, j'ai 14 pièces. On va quand même prendre Minimush, c'est cool. Et puis voilà. Donc, bon. En avant. En avant pour les vagues de des ténèbres. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. La blanque rune, ça peut être pas mal. En fait, ce qu'il faudrait, ça serait la blanca maintenant. Ça serait tellement cool. Blancarde avec je sais pas quoi, mais... une rune, quoi. N'importe quoi. Ah merde, il y a Envy. Putain, ça c'est chiant, par contre. Deux fois Envy. Oh là là. On n'est pas sorti, dis donc. Je sais plus si j'ai un cœur noir ou quelque chose. Ah mais c'est vrai que j'ai Pitreal. Et ça c'est Perfo, donc c'est pas intéressant. Marc, j'ai droppé un cœur gris dans l'histoire. On va tenter la planque rune. C'est Percano, ça me file des potes, c'est cool. Ouah la vache. Tout plein d'araignées. Enfin c'est gérable hein, quand même, mais bon. Envy, tu peux mourir juste, s'il te plaît, parce que là tu fais chier quoi. Voilà. Encore des putains de fantômes à la con. Ouah la vache. Ça passe quand même juste, hein. Ouah, ça, ça passe juste. Wouhou. Allez, des fantômes. Des trucs et des machins. Des rafts. Ça devrait aller, du coup. Attaquez-vous tous, entre vous. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ça, c'est Pertro, donc... Bah, bien, du coup. Super. Bah, super, on va reroll. Avec Pertro. Black Candle, ouais. Ah bah oui, du coup, je vois mes cœurs, maintenant. Donc, j'ai trois cœurs rouges. Putain, il me faudrait vraiment un deal. Il faut des deals. On va se focaliser sur le deal. Ça, c'est The Bloat. Le vert, en plus. Putain. Le pire de tous, quoi. Le pire de tous les Bloats. Ça, c'est une rune de pureté qui va me donner un cœur gris. Bah, on va la faire maintenant, puisque, de toute façon, il peut plus y avoir de curse, donc autant la faire. Et puis ça, c'est fait, voilà, tu es mort. Et maintenant, on passe à Famine. Double Famine bleue. Intéressant. Enfin, ça reste nul à chier, mais c'est intéressant. Enfin, remarque, avec la mouche, ça va vite, hein. Voilà. Ah non, c'était pas la vague du deal, c'était la vague du boss. Et ça, c'est Ewaz. On va le faire dans la salle. D'accord, bon. Eh ben, le deal, cette fois. C'est bordel de merde, je vais y arriver. Je crois qu'il y a triple Dark One en fait. Du coup, j'y vois plus rien, c'est super. Ah ouais, ils peuvent s'attaquer entre eux. Par contre, arrête de me foncer dedans, s'il te plaît, là. Ils s'attaquent entre eux. C'est trop con, j'adore. J'adore cet item, hein. Franchement. Betrayal, je suis bien content de m'être fait chier avec Judas à battre Hush. Enfin, remarque, je crois que je l'avais battu avec la Chaos Card, donc... Non, mais c'est bien, c'est bien. Allez, donne-moi un deal.
Et un bon, hein. Et le deal, bah le deal il est bien là. Là le deal il est cool. Et en fait, tu sais quoi, même, je vais prendre Move the Void et je vais reroll l'autre. Et l'autre ça devient My Shadow, voilà, je le prends. Donc maintenant ça veut dire que j'ai Empty Vessel qui est actif. Vu que j'ai plus de cœur rouge. Et honnêtement, je vais garder mes pièces pour les tâches d'après parce que c'est pas top. Quoique, je vais acheter quelques cœurs gris peut-être. Ouais, voilà, comme ça. Oh, même encore plus, en fait. Vu que je m'en fous des pièces, maintenant. J'ai plus rien à lui donner à Grid, moi. Donc, autant charger, bourrer les cœurs gris. Pour réussir... Tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais y a des crânes et des flammes, c'est intéressant. On va péter tout ça, là. Ouh la vache. Alors, The Fool, c'est pas terrible, quand même. Et puis, voilà. Bon, ben, on va aller au shop. Pas The Shop. Le Shop. Et on va carrément aller dans la Curse Room. Que je ne me suis pas pris. Je vole! Ah, mais oui, un petit vaisseau, ça fait voler, c'est vrai! Deux bombes, bah écoutez, ça valait le coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a au shop du shop du shop? Il y a ça, écoute, ouais. C'est vrai que j'ai toujours le D6 qui ne sert strictement à rien. Bon, je pense qu'on va reroll quand même. Mais on va le buter, lui, du coup. Ah, merde. Non, ça va. Ça, c'est... Elsep. Ouh la vache. Ne pas prendre de cœur, surtout. Ça va être important, primordial. Super, super cool. Voilà, un petit vaisselle, ça donne aussi un bouclier, des fois. Hein, vous voyez, c'est complètement cheaté comme item. Par contre, ouais, pour le débloquer, c'est super chiant. Hein. Il faut battre Hush avec Lazare, quand même. Puis aussi, des fois, ça fait ça. Non, mais c'est complètement cheaté. Hein. Ils ont craqué sur cet item. Et c'est vrai que j'ai aussi Move the Void pour faire des gros dégâts. Donc ça, c'est cool. Ouah, ça rase. Ah, merde. Bon, je prends un peu trop de dégâts, là, les mecs. S'il vous plaît. Voilà, prends-toi ça, Super Envy, dans ta gueule. Une rune Gera, est-ce que ça peut vraiment servir? Je suis pas sûr. Peut-être, hein, mais peut-être pas. Ah merde, j'ai pris un demi-cœur. Ah fuck. J'avais même pas vu. Oh merde. Bon bah ça c'est fait. Je sais pas quand c'est que je l'ai pris ce demi-cœur, mais j'aimerais bien qu'il disparaisse dans un deal. Ça serait idéal. Alors j'ai 33 pièces, j'ai une blanque rune et une rune Gera. Je sais pas trop comment on va s'en servir de ça, mais déjà on va reroll là. On va reroll. Ouh la vache! Le quarter, bah écoute, allez hein. On va reroll avec le D6 cette fois. Ah oui, infestation 2, complètement cheaté, mais oui. Ça c'est Rage, non? Non, c'est anémique ça, donc c'est pas terrible. Autant prendre BFF, écoute, hein. Autant prendre ça aussi. Ça, on s'en branle. On va reroll. Tranquille. Ouh, la tente photo. Génial. Ok. On est bien, là. On est bien. Rune Gera. La rune Gera. En fait, je sais pas. Ça sert à rien, la rune Gera, quoi. Je peux dédoubler la blanque rune, peut-être. On va le faire ça, ouais, en fait. Oui, si, ça marche. Alors, blanque rune, ben, on va... à Galaz, donc ça c'est destruction, ça sert à rien. Et du coup c'était la même qui m'a rendu une blanque rune d'ailleurs. Ah, ça c'est le bouclier, trop bien. Donc j'ai eu la rune Algis là, donc bah c'est bon hein. Ça va être facile comme tout. Voilà, on va s'enchaîner les boss vite avant que le bouclier tombe. Voilà, on va même faire ça, voilà, vite fait hein. J'ai un bouclier qui dure super longtemps, on va pas se faire chier, hein. Voilà, ça c'est fait. C'était peut-être le shop le plus rapide de l'histoire. Bon, le deal. Ah, c'est pas un deal, putain, ça tend, tu fais chier, quoi. Et c'est pas intéressant du tout. Bon. Alors, c'est fort dommage. C'est très très con, ça. Bon. Pinky, allez. Bon, puis le reste suffit quand même, merde.
J'ai une rune Algis, donc Super Grid va... Non, Ultra Grid va prendre cher sa race, quoi. Tout simplement. Voilà. Alors, Ultra Grid, donc... Ça commence par 4 fois Grid. Mais ça, c'est normal, on s'y attend. La vache. Et t'es mort. Et je me suis pris un coup avant de crever, c'est pas grave. Bon ben voilà, hein. Ultra motherfucking Grid. Alors, Rune Algis, direct. On va y aller au gros, avec un gros cube à fumée dans ta gueule. Parce que je sens que c'est ça qui fait le plus de dégâts, hein. À mon avis. Peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Je suis invincible, je m'en fous. Toute une partie du fight, quand même, hein. C'est abusé, cette rune, de toute façon. Hein. Cette rune, elle est trop cheatée, mais c'est vrai que j'ai ça aussi. Oh là là. C'est nain, je suis toujours invincible, putain. Ah, ça y est, je ne suis plus. Voilà, bon. J'ai quand même fait une bonne portion de dégâts, quand même, gratuitement, quoi. Par contre, si je pouvais buter les clés... Enfin, buter les mobs qui en résultent, c'est pas le problème, hein, mais je veux dire... ça va, quoi. Easy, quoi. Non, mais ça va, hein. Puis à chaque fois que je me fais toucher, Grid devient gentil, donc ça, c'est cool. Ah, par contre, les cœurs, ça va me faire chier. Parce que ça le heal quand même pas mal. Putain, merde, il y a une pièce par terre. Faut pas qu'ils les prennent, les pièces, non plus. On essaie de tuer les clés le plus rapidement possible. Il y en a quand même. Bon, c'est pas un problème. Je veux dire, c'est bon, quoi. Ouh, la vache, ça rame un peu tellement il y a de trucs. Des bombes, super. Plus de pièces, c'est bien. J'en ferai rien, hein, mais bon, hein, c'est pas grave. Hein. Marc, si je peux éviter qu'il les prenne, lui, hein. Parce que Monsieur Grid, il est chiant avec les pièces, hein, donc... Putain, de cœur de merde aussi. En fait, c'est toute cette attaque qui est chiante, quoi. Enfin, chiante, mais gérable, hein, attention. Hein. Ça va, quoi, je veux dire... c'est pas galère du tout, ce fight, hein. Ah. Bon, c'est pas grave, t'es gentil avec moi, maintenant. Putain, merde. Oh, la Steam Sale, carrément, contre Ultra Grid, quoi. Ok, d'accord. C'est nimp, mais c'est complètement nimp. Ce combat veut rien dire, quoi. Genre, Ultra Grid à vendre, moins 50%. Oh, merde. Oh, ça va. Très bien. Très. Ok. Bon bah on continue le combat, hein. Je veux dire, j'arrive même plus à meubler tellement il est mort là, c'est bon. Allez, achève-le quoi, quelque chose. Allez, le petit dernier coup là. Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Hein. Ah tiens, il y a la machine quand même. Ah oh, bah écoute, allez, hein. On va la re-remplir. Ça va être lol. Alors j'arrive pas à voir à combien on en est. Enfin si, on en est à 10. Ça doit être 15... 20... Enfin, ça sert plus à rien, mais bon... C'est pas grave, hein. Ok, bah j'ai réussi à mettre 27 pièces, je crois, dans la machine, c'est cool, hein. Et voilà, donc, fin du run, c'est la victoire. Ah, c'était un bon run, hein, quand même. C'était un run bien marrant, tout ça. Ouais, franchement bien. Ok, bon, bah écoutez, donc ça veut dire que c'est la fin de l'épisode. Et que donc la prochaine fois on fera un run normal avec un perso normal avec je sais pas qui, on verra bien, voilà. Et donc moi je vous dis salut à tous, portez-vous bien et joyeux Noël. En plus ça arrive vraiment, hein.